Un avion de surveillance décolle d'une base navale de Patagonie en Atlantique Sud. Destination, la limite des eaux territoriales sous juridiction argentine. Venue de nulle part, une nébuleuse phosphorescente apparaît dans la nuit. Plus de 300 navires, en majorité asiatiques, massés dans ces eaux pour traquer le calamar. C'est l'une des plus grandes concentrations de bateaux de pêche au monde. La patrouille de surveillance a pour mission de contrôler qu'aucun de ces bateaux étrangers ne pénètre dans les eaux argentines. Ces eaux forment la mer de Patagonie, l'une des zones les plus poissonneuses de la planète.